Les fêtes de fin d'année approchent. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment les préparer au mieux. Il y a plusieurs possibilités pour préparer les fêtes. Déjà, la première option est de le faire chez vous, en famille. Et pour ce faire et pour que ça soit qualitatif, il est important d'avoir de bons produits. Alors, pour avoir de bons produits, nous allons vous donner quelques adresses vraiment très intéressantes pour faire vos achats. Donc, tout d'abord, nous souhaitons évoquer, par exemple, Philippe le Traiteur, qui se trouve à Ruisseau Créole. Donc, lui qui prépare vraiment tout ce que vous voulez, des plats en sauce, des dindes, des canapés au foie gras. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'il peut vous proposer. Donc, on vous mettra le lien du site dans la description. Alors, il est très important souvent de bien choisir ses boissons, donc du vin, du champagne et autres. Donc là encore, à l'île Maurice, nous avons vraiment beaucoup d'opportunités. Nous avons Nicolas qui est présent, que vous connaissez tous. Nous avons Vin sur Vin. Nous avons aussi Pénétron, qui propose vraiment une gamme de vins très spéciale et vraiment très fort dans la recherche, pour vous faire découvrir à chaque fois les dernières nouveautés. Nous avons aussi le Bistro Moustache qui se trouve à Tamarin. Vous pouvez vraiment là aussi découvrir une carte très sympa. Nous avons le Café 25 à la place Tamarin et bien d'autres. Donc ensuite, il est possible, pourquoi pas, de profiter d'endroits sympathiques tels des restaurants soit pieds dans l'eau ou dans une marina pour préparer les fêtes. Donc là, ce qui est très pratique, c'est que vous arrivez, vous mettez les pieds sous la table et vous pouvez vraiment profiter de l'instant avec votre famille et vos amis. Tout est prévu et la plupart du temps, vous avez vraiment des menus très festifs, dignes des fêtes de fin d'année. Donc ça peut être des huîtres en entrée, vous pouvez avoir des langoustes ou des camarons. Donc c'est vraiment un peu ça que vous pouvez, ce type de menu que vous pouvez bénéficier dans des restaurants, que ce soit à Tamarin, Rivière Noire ou encore à Cambay. Et puis, on a encore l'opportunité de fêter les fêtes dans les hôtels, car les hôtels à l'île Maurice sont vraiment très renommés, très prestigieux, avec des feux d'artifice vraiment impressionnants. Donc c'est vraiment une expérience vraiment à vivre au moins une fois. On vous le recommande vivement. Donc pour ce faire, il y a les restaurants, les hôtels qui se trouvent au bord, par exemple le Saint-Régis, vraiment une expérience unique. Vous avez aussi le Lux Le Morne, par exemple, qui est vraiment très qualitatif. On a aussi d'autres hôtels sur la côte Est, comme le Saint-Gérand, qui vient d'être rénové, avec une plage immaculée de sable blanc devant. On a aussi sur la pointe du Picanfac, le Hilton, par exemple, que vous connaissez tous. Donc là encore, vous avez un panel de choix très important pour profiter pleinement de ces fêtes. Et encore petite nouveauté qui est vraiment possible à l'île Maurice, c'est de fêter sur un bateau, donc en catamaran, pareil. Petite langouste, on profite, barbecue devant vous et donc plonger avec ça peut être plonger avec les dauphins, découvrir les poissons dans le lagon, vraiment très agréable, puisque bien entendu on le rappelle ici, on est vraiment dans la période où il fait environ 30 degrés, l'eau est bonne, donc l'idée est vraiment de profiter pleinement de la vie et en ce moment en tout cas à l'île Maurice c'est plus que possible. Nous sommes très curieux de savoir d'ailleurs comment vous allez préparer vos fêtes. Alors nous vous invitons en commentaire à nous décrire un peu quelles sont vos idées, etc. Puisqu'on est vraiment très ouvert et très proche de notre communauté. Vraiment n'hésitez pas, mettez-nous un maximum de commentaires, nous vous répondrons. Et on a vraiment envie d'en savoir plus sur vous aussi, ce que vous avez préparé. Et surtout aussi, n'oubliez pas, pour vraiment nous suivre au quotidien, de vous abonner et d'activer les notifications pour être alerté de chaque nouvelle vidéo. Nous vous souhaitons, de la part de moi-même et toute l'équipe Altiz, de joyeuses et merveilleuses fêtes.